Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur le test, donc le handlotch. J'en ai déjà fait deux sur ma chaîne, donc je vous invite à aller les voir. Je vous mettrai peut-être le lien dans ma description si vous avez la flemme de les retrouver. Aujourd'hui donc tout simplement petit test du handlotch, donc le démarrage à la main et pourquoi pas l'atterrissage. Donc aujourd'hui je suis installé sur ce champ, mais j'ai déjà fait mes démarrages à la main et atterrissage à la main sur un autre spot où vous allez le voir dans la vidéo. Donc règle numéro 1, quand vous faites un unlatch avec le Hanafi, bien sûr le faire attention. Attention, je pose ma petite caméra GoPro sur hop, mon harnais, voilà. Vous mettez votre Hanafi bien sûr sur votre la paume de main comme ceci. Et avec le Sky Controller, donc du coup là il est éteint mais je vous fais les manips. Donc c'est soit vous vous mettez debout ou vous vous êtes assis, un peu importe. Mais si vous êtes bien assis là comme moi je suis en train de le faire, attention quand il se lève de pas qu'il se prenne la tête. Voilà, bien jusqu'à maintenant moi voilà, je prenais mon Sky Controller de cette façon et j'appuyais avec mon pouce sur le hand latch. Et bah ce que je faisais, moi je calais contre mon ventre le Sky et du coup j'appuyais sur hand latch ici. Chose que vous allez voir juste après, ce qui m'est arrivé sur un autre spot. Le... je vais vous montrer ma méthode. Voilà comment ça se passe. D'accord? Allez, c'est parti. Façon de faire, c'est que la façon de faire, c'est vous prenez tout simplement votre Hanafi de votre main et vous voyez le petit bouton démarrer ici avec deux petites flèches, une en haut et une en bas. Et ben c'est tout simple, vous appuyez sur ce petit bouton pour qu'il puisse décoller, tout simplement. Voilà. Deuxième avec le bouton unlatch, donc du coup carrément sur le Sky. Et là il démarre à une paire de coudes, tout va bien. Maintenant on va le faire atterrir. Et le but, c'est directement de le faire atterrir avec le manche direction, donc sous la main. Vous voyez, il se coupe tout de suite. Voilà. Maintenant, je vais le faire atterrir à la main avec le manche en bas. Voilà. Ouais, c'est parti. Voilà. Hop. Donc maintenant l'atterrissage avec le manche tout en bas. On positionne bien sa main et on y va. Voyez, c'est aussi simple que ça. Voilà. Là on le fait partir si vous voulez, hop. Et là on va rappeler le petit Fifi. Hop. On va se positionner en dessous, on va le descendre un peu. Voilà. Et on positionne la main sur le manche jusqu'en bas. Et jusqu'aux hélices qui tombent, qui s'éteignent. Quand il descend et puis que les hélices ne veulent pas encore s'éteindre, il ne faut pas relâcher le manche. Tout simplement, il faut attendre que les hélices s'éteignent tout simplement. Voilà. Ah ! Et merde ! Façon de faire, c'est vous prenez tout simplement votre Hanafi de votre main et vous voyez le petit bouton démarrer ici avec deux petites flèches, une en haut et une en bas. Et ben c'est tout simple, vous appuyez sur ce petit bouton pour qu'il puisse décoller,
Tout simplement, voilà. Deuxièmement, quand vous allez atterrir, c'est pareil, vous positionnez bien votre main, bien la paume à plat, et directement, donc quand vous avez une hauteur, donc là, imaginons que mon Sky Controller, c'est le drone, et quand vous avez cette hauteur-là à peu près, donc 50 cm, une hauteur de à peu près de 50 cm, vous appuyez sur le petit bouton comme vous venez de faire donc pour le démarrer, ou alors directement avec le manche en bas. Voilà, tout le bien qui s'éteigne dans votre main. S'il ne s'éteint pas dans votre main, et ben vous prenez votre cas de secours, donc vous pincez avec vos doigts et vous retournez votre drone pour que les moteurs s'arrêtent. Par contre, à ce moment-là, ça vous mettra une erreur moteur. La vidéo est vraiment bref, et encore une fois, je m'exprime avec mes mots et ma façon de parler. Donc je suis désolé si vous ne comprenez pas la façon que je parle, ou si vous ne comprenez pas tout simplement. Là, je vous avoue que je suis malade, j'en ai plein le pif, j'en ai plein la gorge, et je galère énormément à vous expliquer ce fameux test on launch. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi. Enfin bref, merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette vidéo. À bientôt, ciao ciao ciao.